maritime, il y a des Français, des Britanniques, des Japonais et des touristes de Hong Kong. 21 personnes étaient à bord. On va aller sur place, hein, au Caire. On retrouvait notre correspondant Raphaël Volney. Raphaël, est-ce que vous avez plus d'informations sur cet accident dramatique? Alors écoutez, au niveau des détails, on n'a pas encore des détails sur cette situation. Ce qui est sûr, c'est que la situation politique et économique de tout l'Empire en Égypte depuis la chute de Hosni Moubarak a entraîné des problèmes de...